Voilà. Ça arrive, Buzz. Ça y est, on y est. Nous sommes devant le tout premier avion solaire capable de voler 24 heures sur 24 avec un pilote à bord. Dans quelques semaines, ce petit bijou technologique fera le tour du monde pour prouver qu'on peut voler sans consommer aucune goutte de kérosène. Mais comment vole-t-il? Grâce à l'énergie solaire et à ses ailes de 36 mètres de long chacune, recouvertes de 17 000 cellules photovoltaïques. Et pour les protéger, il existe ce film, le Alar ECTF, ultra fin, ultra résistant et ultra transparent. C'est sur ce film que nous enquêtons. Alors, on aimerait savoir, qu'est-ce que vous voulez démontrer par ce défi? Ce qu'on veut faire avec cet avion-là, d'abord, c'est de faire le tour du monde sans carburant, rien qu'avec l'énergie solaire. Donc, c'est une démonstration de d'efficience énergétique. Et finalement, ce qu'on fait là-dedans, on peut l'appliquer au sol, dans la construction de nos maisons, dans le développement des moyens de transport, dans l'illumination dont on a besoin. Et alors, on voit cet avion, il est immense. Il est composé à 90% de ses ailes. Qu'est-ce qu'elles ont de si particulier? La grande difficulté était de le faire très léger. On a recherché les cellules solaires qui étaient les plus fines et avec l'efficacité énergétique aussi maximale, mais il a fallu les protéger. Donc ensemble, avec Solvay, on a développé un film extraordinairement léger, extraordinairement fin, mais aussi complètement transparent, qui permet de protéger les cellules solaires dessus et dessous, contre l'humidité et donc contre les risques de court-circuit. Et est-ce que vous pensez que cet avion aurait pu voir le jour sans la chimie? Certainement pas, parce que finalement la chimie est dans notre quotidien à tous. Tous les matériaux que vous avez ici, finalement, viennent de la chimie. Merci beaucoup, André. Merci, Fleur. Hein, tout le meilleur. Alors, on l'a bien compris, sans ce film, le Alar ECTFE, pas d'avion solaire ni de tour du monde. Pour comprendre comment il a été conçu, développé et testé, nous partons pour les laboratoires Solvay en Italie. C'est parti! Nous sommes à Bollate, près de Milan, devant les laboratoires Solvay, un groupe d'envergure internationale qui exploite depuis 150 ans tout le potentiel de la chimie. Allons découvrir ensemble comment notre innovation a été développée. Hi Serena. Hi Pierre. Serena, can you explain me what the Alar ECTFE is? Okay, Alar is a copolymer. It's a specialty polymer, so partially fluorinated polymer produced by Solvay. Un polymer, c'est une chaîne de molécules associées chimiquement entre elles. Can you show me what the formula is? Yes. In this molecule, we have two components. Can you explain me what is it? Yes, we have ethylene and chloro-trifluoroethylene. So there are two gases that can be react together to form this polymer called ECTFE. And chloro-trifluoroethylene give to Alar a very high chemical resistance, smoothness surface, and good mechanical properties. Okay. Maybe you can show it to me. Yes, so this is our polymer, comes from our reactor, polymerization reactor. This can be processed and we can achieve pellets, something like this, granules, to achieve films, pipes, cable, and so on. So it's for the applications? Yes. Now we have the granules. Can you make a film for me? Yes, let's go to see how to make it. Okay, let's go. So, Serena, what about the thinness of the film? The film is very thin. The thickness is 20 microns, the same thickness used for solar impulse. Imagine, Fleur, c'est la taille d'un de tes cheveux. Okay, thank you, Serena. You're welcome. So, please take it. This is for you. Thank you very much. You're welcome again. You. Bye. Bye. Bonjour, Luciano. J'ai quelque chose pour vous. Bah, merci, je l'attendais. Luciano va maintenant procéder à une lamination, c'est-à-dire l'encapsulage d'une cellule photovoltaïque avec le film Alar.
La lamination est terminée. On a la couche de Allard au-dessus. Oui. On a la cellule qu'on voit bien ici bleue. Maintenant, on va là-bas pour faire la mesure d'efficacité. Donc, on a une sorte de petit soleil artificiel. Ce qu'on fait avec tout cet appareil est mesurer l'efficacité, c'est-à-dire combien de lumière est transformée en électricité. On peut voir l'efficacité de la cellule après lamination, qui est tout à fait comparable avec l'efficacité des modules faits en verre. À part sur le Solar Impulse, est-ce qu'il y a d'autres applications du Allard? Bah oui, bien sûr. On l'utilise déjà sur les modules photovoltaïques commerciaux. Ça, c'est couvert par un film de Allard. D'accord. Et celui-là, donc, je pourrais l'amener chez moi? Bah oui, bien sûr, c'est un cadeau. Allez-y. Merci. Au revoir, Luciano. Au revoir. Bon, au final, mon cadeau, je vais devoir le laisser ici, parce qu'on va assister à un vol d'essai du Solar Impulse. Mais avant ça, je voudrais m'assurer qu'on ait tout bien compris. On se résume? Le Allard ECTFE, c'est quoi? C'est un fluoropolymère issu de la chimie du fluor. Grâce à une réaction chimique entre l'éthylène et le chlorotrifluoroéthylène, Solvay produit un film de polymère aussi fin que les cheveux de fleurs et qui possède les mêmes qualités que le verre. Ce film enveloppe les cellules photovoltaïques du Solar Impulse pour les protéger de la pluie et des nuages. Ultra transparent, il laisse passer les rayons du soleil qui fournissent l'énergie pour faire voler l'avion. Le Allard ECTFE sert aussi à protéger les panneaux solaires utilisés dans l'habitat, le transport et l'éclairage public. Ça y est, l'avion rejoint la piste pour son vol d'essai. On va voir si le film ECTFE tient ses promesses.